Qu'est-ce que tu fais? Je change de couche. Notre vie a changé, non? Littéralement. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Oh là là, on est content de vous retrouver après aussi longtemps. Isaac vient tout juste de terminer une vidéo 24 heures où il documente notre nouvelle vie. Et je peux vous dire que c'est du sport avec deux petites poulettes comme on a dans notre vie maintenant. Mais on est juste au paradis. Et cette semaine, on a une très très grosse semaine. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de partager avec vous qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est une grande grande journée, non? Aujourd'hui, on doit aller au palais de justice parce que... Pas pour un crime! Non! Parce que c'est pour l'adoption. Oui! C'est une étape légale qu'on doit faire pour les filles qui sont pas génétiquement liées à toi, à moi. Ça veut dire, moi je dois adopter Claire et toi tu dois adopter Stella. Et attendez! Mais toi t'es toute belle! Oui, toi t'es toute belle et... Paulette. On va aller voir ta petite sœur. Qui, elle, s'est réendormie dans le lit parce que c'est toujours plus agréable à côté de papa et daddy. Ah, ma belle Cléa, oh là là, il va quasiment falloir te réveiller parce qu'il faut partir tôt ce matin. Mon petit chat d'amour. Alors ici, on a sélectionné les petits looks pour cette journée spéciale et... Waouh! Est-ce que vous avez vu ça comme vous êtes belle? Je dirais par contre qu'il manque un tout petit détail, oui, non? Une petite boucle! Pour Stella, je dirais qu'on devrait aller dans une couleur comme le jaune. Et pour Cléa, un petit rose pâle. Oh, bonne idée. On va installer ça sur les cheveux. Oh là 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 là, regardez-moi ça comme c'est chou! Et toi aussi? Achou! Achou! Oh, trois fois! Petit update, nous on s'est préparé. Papi et Snow, nourriture. Reste. Ok, miam miam. On prépare aussi le sac à couche. Parfait. Désolé, je vous parle avec la brosse à dents dans la bouche, mais on n'a vraiment pas le temps. Et juste pour vous dire, j'ai appris quelque chose de nouveau. Chaque personne devrait avoir deux brosses à dents, matin et soir. Comme ça, il y a beaucoup moins de bactéries. Et aussi, il faut les garder dans le petit pot en céramique comme ça, là. Mais là, bouteux, c'est quoi ça? C'est du karaté? Mon chat, vous êtes prêts pour le biberon? Ok, donc, alors, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Les filles, il faut... Bien manger, ok? Et pas trop se salir. Et faut pas tirer la protection non plus, hein? On sait comment ça fonctionne. Oui, oui, ça arrive, mon chat. Beaucoup d'excitation. Oui, c'est good que marre. Oui, oui, oui. Yes. Cléa, elle aime beaucoup le petit encouragement. Oui. C'est pour le lait de chèvre. Tu tires, on est prêt presque, non? Ok, let's go. On est dans la voiture, je me suis installé entre les deux filles. Un, deux. Toi, tu conduis. T'es prêt? Yeah. Let's go. On est arrivé. On est en train d'attendre. Les petites sont ici. Très calme. Et là. Alors, petit update. On n'avait pas le droit de filmer, mais je peux vous dire, c'était vraiment touchant. Notre avocate, elle était super sympa. Et la juge, elle était vraiment adorable. C'est une très belle énergie. Tout le monde a adoré les petits bébés. Oui, et tout le monde était très intrigué en fait par notre histoire. C'est ça qui était vraiment génial. Tout le monde était touché par ça. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi les deux ont une différence de 2 mois. Bref, vous savez, vous connaissez l'histoire. Ma petite Schnookie-Pootsy, tu veux le Billy? Yeah. Et toi, mon petit Poutchou, toi ça va bien? Moi pas beaucoup d'envie. T'as pas fait ta sieste? Non. Mais t'es toute belle. Et regardez, les lèvres, les lèvres. Dans ce vlog, on a beaucoup de choses à faire. Il faut changer tous les vêtements, tout réorganiser. Il faut installer ça parce que Stella, elle est déjà trop grande. Elle se frappe le pied ici. On va faire ça. On a des unboxings à faire. On va avoir des amis à Montréal dans quelques jours. Bref, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Et toi, tu t'amuses avec les petites? J'ai aussi une surprise pour toi. C'est vrai? Figurez-vous, il est maintenant 15h30. Et sauf quelques petits noix, on n'a pas encore mangé. Alors, j'ai acheté une surprise pour Carl. Oh. Wow, ils sont beaux. Yeah, magnifique. Comme à Berlin. Wow. C'est chocolat, noisette, ah oui? Croissant. Et ça, c'est fromage, croissant. Oh, wow, il y a beaucoup de fromage. Beaucoup c'est pour de moi, fromage. Ça? Yeah, c'est pour toi. C'est une nouvelle boulangerie qui est sur le chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une marche? On devrait. Bon, finalement, il fait vraiment pas très beau à l'extérieur, il pleut. Alors, on en profite pour faire la sieste. Maintenant, je vais vous donner un petit astuce. On prend un petit verre avec de l'eau filtrée, bien sûr. On ajoute un petit peu de vinaigre de citron de pomme. Et on boit ça parce que c'est super bien pour le spike de glucose. Ça veut dire si vous buvez ça avant, mangez les pâtes, les céréales et tout ça. Ça aide à ne pas faire monter le taux de glucose.
Oh bonjour. Où fais-tu playtime? Coucou. Ce matin, je vais aller voir une madame qui est vraiment géniale. C'est une réflexologiste. Elle travaille avec les énergies, avec les méridiens, les pieds. J'ai déjà fait 2 séances avec elle. Chaque fois, c'était incroyable. Et j'ai trop hâte de faire ma 3e. C'est parti. Un truc qui est drôle ici, il y a un ascenseur. Au début, je ne savais pas comment ça fonctionne. Faut que la porte ferme et après, tu appuies 2e étage. Ouf. Et ça bouge, comme ça, très doucement. Et si tu lâches le bouton, tu t'arrêtes. La claustrophobie par excellence. On est arrivé. C'est ici où ça se passe. Salut Lucia. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Et je vous montre aussi qu'est-ce que ça signifie un petit peu la réflexologie. Fait que là, tous les organes sont en dessous de nos pieds selon le besoin. Tu sais, si on est plus fatigué, on va aller vers les orteils, on vient décongestionner au niveau des poumons. Tout est là dans nos pieds. Et ça, c'est le petit outil de torture. Exactement. Je fais un peu mal, mais après, là. Ça fait du bien. D'amour. Oui. Voilà, ouh! Avec des petites pétales de rose, ça sent bon. Fait qu'aujourd'hui, on va aller travailler, décongestionner au niveau du stress, de l'anxiété. On a travaillé les surrénales qui se retrouvent ici. On va venir faire un coucou à l'intestin pour donner de l'énergie, sortir ce qui a à sortir du corps. Est-ce que tu as un point quand tu es stressé sur lequel tu peux appuyer pour le calmer? Oui, on appelle le point rate. C'est la rate qui vient vraiment faire en sorte de donner de la relaxation immédiate au corps et juste ici. Ah oui. Puis dans la main, là, on va la retrouver ici. Fait qu'on vient peser. Mettons, t'arrives pas à dormir la nuit, là, tu viens te peser la rate. Parfait. Wow! Alors, je peux vous dire, le rendez-vous était vraiment incroyable. Ça a pris presque 2 heures. On a travaillé sous beaucoup d'énergie et elle a ressenti quelque chose qui est arrivé la semaine dernière avec ma famille, quelque chose qui a bloqué un peu. C'est vraiment incroyable qu'est-ce que tu peux faire comme soin, juste énergétique, comment tu peux réaligner ce que tu ressens dans le bien-être. Ça m'a fait du bien. Maintenant, retour dans la réalité. Il faut que je trouve des couches taille 4 parce que Stella est tellement grande. Et c'est ça que je vais faire. J'ai déjà trouvé, je vais prendre la taille numéro 4. Parfait. Oh, qu'est-ce que je vois ici? Des choses trop cute. Oh. Comme les filles sont tellement grandes, je me suis interdit d'acheter maintenant des vêtements. Mais là, c'est trop cute. Peut-être que je vais craquer. Bon, finalement, je n'ai rien acheté. Je vais plutôt trier tous les vêtements. Dans les prochains jours avec vous, maintenant, je vais retourner à la maison. Et toi là, le tummy time, c'est relax ou quoi? Et le ou le Willy, tu les veux? Il est là, on peut l'avoir. Oh, on travaille les bras. Allez, chaton, los kids. Allez, yeah. Bravo. Et de l'autre côté, ça donne tout. Yes. L'entraînement pour la compétition olympique. Oui. Ah. Oh, l'autre s'endort sur mon bras. Oh, oh. Maintenant, on va faire un petit test. Je tire. Oh, wow. Yeah. Ça se tient bien. Très bien. Wow, ça... Bravo. Et on tient la tête, on tient la tête. Wow. Oh. Allez, on essaye de tourner. Yeah. Yes. Allez. Yeah. Bien fait aussi. Gut gemacht. Grab the camera. Yes. Yeah. Pour le dîner, on mange une soupe de lentilles de l'Allemagne, bien sûr. Des petites protéines avec du fromage. Les pâtes Barbie roses avec du ricotta. Au premier loge, le petit bébé. Et Carl est en train de faire du fromage grillé. Alors, est-ce que le petit burp est fait? Oui, maintenant on a le OK. Oh. Mais là, je vois quelque chose dans le... Un unboxing, c'est très simple. Je pense que Snow est aussi très intrigué. Alors, maintenant, il est 21h30. On a travaillé un petit peu dans le bureau. On est crevé. Carl a pris sa douche. C'est le seul endroit où tu peux relaxer, je pense. Non? Je suis très excité parce que il y a 3 paquets énormes. Ça, ça vient de l'Allemagne. C'est des choses que j'ai achetées parce que c'était pas disponible au Canada. Et ma soeur m'a envoyé avec des surprises. Et dans ça, et des choses que j'ai achetées dans une auction. Vous allez voir. C'est sold out partout, regarde. Oh, c'est des Barbie ultra stylish dans un pack de 5. Elle est mignonne. 30 looks. Mais là, les filles vont s'éclater. Avec le petit minou dans le bras. Elle est aussi très stylish. Ah oui. Waouh.
prête pour la Fashion Week. Le coat en fausse fourrure, là, c'est drôle. Oh, il y a d'autres choses. Zach, qui m'a dit, j'ai presque pas acheté de Barbie. Oh là là. Le manteau avec pour, est cool. Là. Elle est prête pour aller sur Mars. Oh, là aussi. Une petite sirène. Trop cute, je trouve. C'est le Face Mold Millie, apparemment. Ok. T'as vraiment beaucoup de connaissances, là, je trouve, sur les Barbie. Non, ça, c'est la Millie. Elle, elle était sold out partout. Trop mignonne. Les traits sont beaux. Après, ma soeur a envoyé des livres. Ça, c'est bien pour apprendre l'allemand. Des petits vêtements, des jouets, plus de vêtements. Ça, limite, c'est... ça, c'est pour Stella déjà. C'est vraiment c'est quoi, cute, deux ans ça. C'est vraiment beau. Des petits pyjamas, une autre robe. Et ça, ça, c'est déjà trop petit, je pense. Mais j'adore la matière. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Des Barbie que j'ai auctionné. Encore plus de Barbie, d'accord. Mais elle a l'air très vieille. La oh déception. C'est, regarde-moi ça. T'inquiète, la moisissure à l'intérieur de la boîte. C'est ça que tu as quand tu achètes sur une auction. C'est ultra dégueulasse. C'est la moisissure autour. Ça, c'est pas rigolo. Et l'autre. Oh, peut-être c'est une Barbie hantée. Oh, mais là, achète jamais un truc sur une auction. Oh, je suis très déçu. Mais c'est surtout le truc avec oh, la moisissure, mais... c'est dégueulasse. Oh, la soirée qui tourne mal. Ça coûte 67 dollars. Des Barbie moisies. Eux, ça avait l'air mieux. Ah oui, regarde. Là, je suis content. Ça, c'est une de mes Barbie que j'avais quand j'étais jeune. Elle change la couleur des cheveux dans l'eau. Et ça, c'est le Hollywood Hair Barbie avec laquelle tu peux faire des petits dessins roses sur ses cheveux. Vous voyez? Elle a des cheveux incroyables, elle. Bref, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment déçu. Il est déçu. Demain, ça va être une autre journée. C'est ça. On va se coucher. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Fais ça bien, hein? Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être une journée de nettoyage. Oh yeah! On a commencé à nettoyer les biberons. C'est vendredi, alors vendredi, notre femme de ménage adorait bien pour nous aider, supporter un petit peu, et après, on va ranger la chambre. Oh yes, on a hâte, hein? Vous avez fait une bonne sieste? Yeah! Toi aussi? Yes! Ok. Ici, on a fait une petite protection parce que Stella est trop grande et je veux pas qu'elle se casse les jambes. Alors, j'ai pris des nouilles qu'on utilise pour la piscine et ça marche super bien. Les couches, je les place toujours dans le placard ici. J'ai déjà numéroté. Je mettrai tous les trois sur une côté. Vous voyez, les quatre sont plus grands, ça rentre presque pas. Je les esquisse un petit peu dans le placard, ça fonctionne. Maintenant, je vais toujours mettre le numéro devant, parce que comme ça, tu sais exactement qu'est-ce que c'est. Ensuite, je vais remplir le table allongé. Là, il y a encore quelques couches numéro 2 que Cléa utilise, mais ce sont les derniers. Et ici, il y a des couches numéro 3 qu'il faut remplir. On a aussi une autre sorte d'attitude que je vais tester. Comme ça, le placard pour les couches est fait. Il faut remplir encore quelques pipi pads. Je mets déjà un sur la table allongée. Et la dernière chose qui manque, ce sont des water wipes qui sont super pratiques pour nettoyer les couches. Vous jouez en même temps? Non, c'est bien le mobilier, hein? Et toi, tu fais quoi? Tu regardes les images. Ok. Entre temps, on écoute des chansons en allemand. Je connais même pas les textes. Dans le deuxième tiroir, presque tout doit dégager parce que c'est 0 à 3 mois. C'est vraiment trop petit et je peux aussi vous dire, c'est un peu dommage parce que les trucs en cachemire. Oh. Trop petit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Tu veux que ça se tourne encore? Ok. Il faut qu'on fasse des petits essayages. Est-ce que ça, ça fait? Oui, une petite fraise. Ok. C'est bien. Alors, on va vider le tiroir ici. Bang. Et maintenant, il faut le re-remplir. Recharger avec tous les pyjamas 3 à 6 mois, c'est parfait. Dans le troisième tiroir, on a placé tous les vêtements qui commencent ici à 6-9 mois vers le 12 mois. Et dans le quatrième, on a mis toutes les petites robes qui sont un peu plus chic. Ici, c'est des petites vestes en cachemire et des vêtements pour plus tard. Oh, les matantes sont venues aussi. Ça va bien? Ça va toujours bien avec les filles. Coucou. Bonjour. Et vous, vous souvenez de Félix? La dernière fois, il avait les cheveux en couleur. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est environ 4 ans. Là. C'est bon? C'était bon, bon, les pancakes. Je veux terminer les gens. Et après, je suis plongé dans la piscine. Ah, moi aussi. Prêt, 20! 3, 2, 1. Maintenant.
Il faut arriver à se calmer. Une fois que t'es dedans, ça va. C'est bon? Yeah. Ok. Et avec ça, on boit notre eau quartz de rose et améthyste. Ça, c'est incroyable. Alors, le look du jour pour Stella, c'est une petite robe Ralph Lauren. Trop cute. T'es contente avec ça? T'en fous de la petite robe, non? Et pour Cléa, on a aussi une petite robe polo Ralph Lauren, mais rose. Est-ce que t'aimes ça? Oui, t'as mis aussi des petits collants parce qu'on veut être sûr qu'il fasse pas trop froid. Toi, t'as l'astuce. Vous êtes prête pour partir? T'as mis un petit chapeau, c'est beau. Oh, c'est mignon. C'est la première fois que vous voyagez comme ça. C'est comme des cinémas. Waouh. C'est la première fois pour toi à Montréal. Pour toi aussi. Youhou. Hier, quand on est arrivé chez notre amie Ima, c'était vraiment super cute. Elle est sortie, après tout le monde se rassemblait autour de filles. C'était l'attraction du jour, tout le monde voulait le prendre. C'est aussi un peu spécial parce que comme nouveaux parents, il faut dire ses limites, c'est super important. On a passé un bon moment et on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas encore forcément compris notre histoire. Parce que comment c'est possible que les deux ont deux mois de différence, deux mères porteuses. Bref, beaucoup de détails, mais c'était intéressant et on a beaucoup partagé avec eux. Ce matin, on a fait une longue siesta, on a passé tout l'avant-midi dans le lit. C'était tellement agréable. Et il y a quelques jours, je me suis aperçu de quelque chose dans le jardin. Un lapin qui marchait et on s'est rendu compte qu'il y a un petit nid. J'ai déjà fait quelques images, bien sûr, j'ai gardé la distance et tout ça. Et on voit qu'il y a des petits bébés lapins. Je pense dans le prochain vlog, on va vous donner plus de détails. J'espère qu'ils vont continuer à bien se garder au chaud parce que c'est encore très frais ici au Québec. Mais là c'est bon, je trouve. Et super beau et en plus, je sais pas si vous avez suivi ça, il y a deux jours il y avait beaucoup d'éruptions solaires, ça a fait en sorte que ça fait des lumières boréales, des aurores boréales, partout dans le monde. Mon père m'a envoyé des photos, il y a des photos de Montréal bien sûr, l'autre c'était de nord de l'Europe, c'était magnifique. Et dans le monde spirituel ils disent que ça a augmenté notre fréquence et beaucoup de bonnes choses. C'est très bien ça, on aime ça. On a hâte de vous retrouver, on vous aime et à très vite dans un nouveau vlog. Bisous. Les filles dorment plus, hein. Non, mais ça va prendre une marche là. Bisous.